qui est Claude Gallien. Épisode 1. Les faveurs d'Asclépios. Pergame, l'année 129 après Jésus-Christ, naissance de Claude Gallien, Claudios Galenos en grec, Claudius Galenus en latin. Son père, Nikon, est un architecte et un mathématicien réputé. Il lui donne le goût pour la philosophie, l'initie à la sagesse des stoïciens et l'incite à entreprendre des études de médecine en parallèle de sa formation philosophique. Galien découvre alors Aristote et Hippocrate. À la mort de son père, le jeune homme décide de quitter Pergame et de voyager pour parfaire ses connaissances et apprendre auprès des plus grands médecins orientaux. En Égypte, Galien se perfectionne dans sa connaissance de l'anatomie. Il s'initie à ce que nous appelons aujourd'hui la pharmacologie, où il excellera bientôt. Il apprend l'art de composer, onguents et drogues. En 157, il rentre à Pergame. Si les voyages ont assouvi momentanément son appétit de connaissance, ils n'ont pas su satisfaire son palais ni son estomac. Il se plaint en effet souvent de la nourriture qu'il juge médiocre en Égypte. Et de retour à Pergame, il se met à dévorer plus que de raison tous les mets dont il raffolait dans sa jeunesse. Il se gave, notamment de fruits, jusqu'à l'indigestion. Et il finit même par souffrir de graves complications gastriques et intestinales. Au plus fort de la crise, Asclépios lui apparaît en songe et lui délivre des conseils nécessaires à un prompt rétablissement. Il lui révèle l'importance de l'alimentation dans le maintien de la bonne santé du corps. Pendant sa convalescence, Galien prolonge et perfectionne une grande invention d'Hippocrate, la diététique. Il s'en fait une spécialité.